va vous présenter le projet Fou Lab. C'est donc Liana et moi qui allons vous le présenter. On est quatre dans l'équipe. Donc les objectifs qu'on a qualifiés dès le début d'ambitieux, mais qu'on a jugés atteignables grâce aux données d'Istex, c'était de se placer dans le contexte de l'évolution des modalités de publication, qui est un objet d'étude de Marianne Noël, donc une de nos partenaires, qui travaille sur l'évolution des process de publication, l'open science, l'open access, etc., et de se concentrer sur l'article et son abstract, et donc non pas que l'abstract ou non pas que l'article. Et on s'était fixé d'entrée de jeu comme objectif de restreindre à un moment donné notre analyse à un corpus de sciences environnementales dans lequel on aurait aussi pu analyser plus précisément la chimie, qui est un objet d'étude de Marianne Noël. Donc on va vous en dire un peu plus tout à l'heure. Et donc on se posait la question de savoir si l'abstract était juste un teaser, une sorte d'objet qui pourrait attirer le lecteur pour venir lire la suite de l'article, ou est-ce que l'abstract est, comme on l'entend habituellement, un véritable résumé du full texte. Donc l'idée, c'était de comparer la quantité d'informations de l'abstract avec celle de l'article qui résume, donc en utilisant notamment la structure du full texte. Et on a développé le calcul de ce qu'on a appelé le taux de générosité, avec des perspectives d'études qu'on avait déjà présentées en avril. Donc c'était par exemple d'exploiter selon les disciplines et voir s'il y avait des différences de comportement selon les communautés de chercheurs, de voir aussi s'il y avait des différences en fonction des exigences des revues. Vous savez que certaines revues exigent un format particulier de l'article, avec notamment une sorte de template, et aussi pour l'abstract, selon le mode de diffusion, en open access ou pas. On s'est posé la question aussi très tôt de savoir s'il y avait une corrélation entre le taux de générosité et les citations ensuite. Donc à l'instar des études qui ont été faites sur les relations entre l'open access et le taux de citation, s'il y avait une prédominance sur certains types d'entités nommées, et s'il y avait une éventuelle évolution au fil du temps. Donc vous avez vu qu'on a mis des petits checks en face de certaines des questions qu'on s'est posées, donc on n'a pas encore répondu à tout. Donc c'était aussi l'opportunité d'un travail disciplinaire, donc au challenge, on va dire, technique. Et on a ajouté le challenge de travailler au sein d'une équipe très pluridisciplinaire, donc avec d'un côté Marianne, qui est une sociologue qui travaille sur le domaine des STS, de l'autre côté moi, qui suis ingénieur de recherche dans un service de documentation, donc qui représente la professionnelle IST, et entre les deux, Marianne et Nicolas, qui sont les informaticiens. Donc il y a cette espèce de noyau, on va dire, informatique, et Marianne et moi qui en espérons beaucoup. Donc pour entrer dans le vif du sujet, on a commencé par faire une analyse de la littérature pour identifier comment segmenter le full texte d'un article scientifique. Et donc on a abouti à une segmentation en 7 parties, donc avec, vous allez reconnaître des parties classiques, l'introduction, le contexte, donc quelque chose qui est supposé être compréhensible par les chercheurs de tous les secteurs, l'objectif évidemment. Donc c'est en gros le research gap, ce qui doit être comblé par l'article. Tout ce qui concerne la méthode, avec notamment les descriptions sur le matériel utilisé, les cadres méthodologiques, la population éventuellement étudiée, etc. Évidemment, il y a les résultats, qu'on appelle aussi observations ou constats, qui peuvent être négatifs, qui peuvent contredire l'hypothèse de départ. Il y a aussi les conclusions, naturellement. Et puis, une partie aussi qui nous a intéressés dès le début, c'est les limites, c'est-à-dire l'énonciation de ce qui n'est pas très positif au bout de la recherche, ce qui montre qu'il y a des perspectives de travail possibles, les différents éléments qui déterminent ce qui pourrait biaiser, par exemple, l'étude, en tout cas, ce qui la limite. Et donc, j'en ai parlé, les perspectives de travail. Alors, on a commencé au début du projet par faire un sondage
auprès de 630 répondants. Donc 630 personnes ont répondu. Peut-être vous avez vu passer notre annonce pour répondre à ce sondage sur les différentes listes de discussion. Dans ce sondage, on a posé plusieurs questions, notamment une sur l'importance des différentes parties, donc celle que j'ai énoncée tout à l'heure. On a aussi demandé, évidemment, de quelles disciplines relever, donc deux disciplines possibles maximum relever nos répondants. Donc vous voyez que sur les 630, on a à peu près le même nombre de chercheurs et de doctorants, et on a une représentation forte des SHS et des sciences de l'ingénieur et informatique. Et puis après, le nombre de répondants devient un petit peu moins significatif par discipline. Et puis on a posé aussi cette question, selon vous, quelles sections ont donné, encore une fois, la liste des 7 sections qu'on avait identifiées, plus les définitions que vous avez vues, quelle section doit impérativement être présente dans l'abstract pour qu'il puisse être qualifié de généreux entre guillemets, et on s'est bien abstenu de donner une définition de la générosité, pour être au plus proche de ce que ressent le chercheur, la personne interrogée, lorsqu'il entend parler de générosité. Donc on a eu des réponses qui, selon nous, n'étaient pas très très contrastées en fonction des disciplines. On voit qu'il y a une petite différence au niveau de l'informatique, par exemple, qui juge la partie objectif un peu plus importante en termes de générosité. Mais on n'a pas trouvé que les différences entre disciplines étaient très significatives, alors que c'était un petit peu ce qu'on voulait faire au départ, nuancer nos calculs en fonction des disciplines. Et donc finalement, on a retenu les différentes proportions pour les parties, mais qu'au niveau total, donc pour les 630 répondants. Et donc vous verrez tout à l'heure que ces chiffres-là sont absolument capitaux dans nos calculs. Alors sur le taux de générosité à proprement parler, donc on part du full text. Et dans un premier temps, on recherche les 4 sections intro, contexte, méthode design, résultat, observation, constat et les conclusions. Donc on balaye le full text pour essayer de déterminer quelle portion du texte se rattache à ces 4 grandes sections. Et ensuite, on a constaté que l'objectif était souvent énoncé dans une section, un paragraphe qui était proche de l'introduction et du contexte. Donc on a cherché la section objectif à l'intérieur de ce qu'on avait déjà considéré comme délimitant l'introduction et le contexte. Et idem pour les limites et les perspectives, là aussi, en parcourant des textes, on s'est rendu compte que c'était des choses qui étaient énoncées plutôt dans ce qui était qualifié de conclusion. Donc on fait donc un deuxième passage pour identifier objectifs dans la partie intro-contexte et limites et perspectives dans la partie conclusion. Ensuite, on va utiliser les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, résultats du sondage, donc sur la totalité des répondants, et sans prendre en compte de différence par discipline, on va utiliser ces chiffres-là pour pondérer les parties qu'on a pu redétecter ensuite dans l'abstract uniquement, et on obtient un taux de générosité qui se mesure entre 0 et 1. Donc on va passer à l'implémentation informatique que Liana va vous présenter. Dans notre méthode, il y a 4 parties. La première méthode, c'est la détection des sections dans l'article. On a fait ça par le moyen de l'outil GROBID. Après, on a fait la classification des sections. C'est l'application de règles. Si la règle précédente n'est pas applicable, on essaie d'appliquer une nouvelle règle. Et la première règle consiste à la détection de parents de section. Ça veut dire que s'il y a section embedding, par exemple, il y a l'introduction, et dans l'introduction il y a objectif, ou il y a une partie méthodologie, et dans méthodologie on voit par exemple une description théorique, et après on a les détails de calcul. On considère la section plus grande comme parent de la deuxième section.
Après, si on a retrouvé une section qui est parent, on attribue ce classe. Si on n'a pas retrouvé le parent, on essaye d'appliquer les expressions régulières, juste les mots-clés qu'on peut retrouver dans les introductions, dans les résultats, les conclusions. Si ce n'est pas applicable, on n'a pas réussi à retrouver une section, on essaye d'appliquer les règles par le positionnement. Par exemple, si c'est la première section, on dit que c'est l'introduction. Si c'est la dernière section et il y a un mot « discaken », on dit que c'est la conclusion, mais si « discaken » est avant-dernière section, c'est plutôt le résultat. Et si on n'a pas réussi, on calcule le nombre de tableaux, les figures, les références, et évidemment, s'il y a beaucoup de tableaux ou de figures, on dit que c'est plutôt la partie de résultat, tandis que s'il y a beaucoup de références, on dit que c'est plutôt contexte. Après, on passe aux troisième étape, c'est la classification des phrases dans le résumé. Et pour cela, on cherche la phrase qui est le plus proche dans le full text et on attribue à une phrase issue de l'abstract le même classe qu'on a attribué à la phrase de full text. Et à la fin, on calcule notre taux de générosité qu'on a nommé GEM pour Generosity Measure. Et on a décidé que si le nombre de sections détectées dans le full text n'est pas augmenté, s'il est moins que 4, on n'est pas capable de traiter les résultats et on dit que c'est moins 1 pour ne pas confondre avec les vrais résultats. Sinon, on applique le sans pondéré des sections qui sont présentées en même temps dans le full text et dans le résumé. Et ici, vous pouvez voir le pseudocode de la classification des sections que j'ai expliqué tout à l'heure. On a testé cette classification sur un ensemble de documents qui étaient traités manuellement par deux experts, par Marianne et Frédéric. Il y avait environ 4000 phrases et l'accuracy de la classification était plus que 80%, mais on doit dire que dans la plupart des cas, c'était plus que 95%, mais il y avait trois documents à 30%, 40%, 50% qui ont dégradé les résultats. Ici, vous pouvez voir les expressions régulières, c'est assez simple. Si on voit le mot l'introduction, on dit que c'est l'introduction. S'il y a le mot résultat, c'est le résultat dans le titre de section. Ce qui est important, c'est comment on cherche les objectifs, les limites et les perspectives dans les autres sections, parce que cette méthode est appliquée pour chaque phrase dans les parties plus grandes qu'on a détectées, c'est l'introduction. Pour les objectifs, pour les limites et les perspectives, c'est la partie conclusion. Après, on fait la classification des phrases. Dans le résumé, on cherche la phrase la plus similaire dans le full text et on attribue le même classe à cette section. Et c'est ici qu'on applique les règles pour la détection de limites perspectives et objectifs. Et enfin, on calcule notre taux de générosité. On regarde toutes les classes représentées dans le full text et si le nombre de classes est moins que 4, on dit qu'on ne peut pas calculer notre taux de générosité. Sinon, on cherche toutes les classes pour l'abstract et après on regarde quelles classes coïncident et on ajoute le point correspondant. Et notre taux de générosité, c'est cette somme pondérée divisée par le taux maximal qu'on peut avoir. Alors, comme je l'ai dit au début, on s'était fixé comme objectif de travailler sur un corpus de sciences environnementales. Donc on a pu initier seulement la semaine dernière
l'analyse de ce corpus. Donc là, vous avez les tout premiers résultats qui demanderont à être confirmés par des analyses plus poussées. Donc notre corpus, c'était au départ 196 422 documents en sciences environnementales, donc selon l'enrichissement WOS. Là-dessus, il y a 154 000 et quelques articles, puisque nous, on travaille sur ce type de documents-là. Ensuite, malheureusement, il y en avait plus de 95 000 qui ont été impossibles à traiter, à récupérer en raison de problèmes on va dire, techniques liés à la PGISTEX. Et il y en a 22 000 et quelques qui ont été rejetés, donc qui ont reçu le score moins 1 que vient de vous décrire Liana, donc à l'issue du calcul de GEM. Et il reste donc 35 641 documents dans notre corpus de sciences environnementales, donc c'est cela qu'on a pu analyser. Donc voilà des tout premiers résultats tout chauds. Donc pour ceux qui veulent égayer notre présentation, vous pouvez voir le graphique en version dynamique au lien que je vous ai mis en bas à gauche. Donc il y a quelques graphiques pour lesquels vous pouvez vous-même manipuler un petit peu les données et les variables pour affiner. Donc voilà sur cette première analyse donc, qui visait à voir s'il y avait une évolution du taux de générosité au fil du temps. On voit que oui. Un petit peu, qu'effectivement, au fil du temps, les abstracts semblent de plus en plus généreux. Vous voyez aussi, à titre indicatif, qu'il y a une grosse chute en 2001 du nombre d'articles collectés. Donc ça, on a vérifié, c'est pas un problème dans ce corpus sciences environnementales. C'est sans doute lié aux acquises d'ISTEX. Il y a dû y avoir une chute en 2001, puisqu'on a regardé vite fait sur d'autres requêtes, et à chaque fois on a cette baisse de volume. Malgré tout, ça reste quand même, on a un nombre de documents qui est toujours au-dessus de 1000, donc nos résultats restent malgré tout significatifs. Donc voilà pour l'évolution au fil du temps. Donc je ne vais pas guère plus loin dans l'analyse, vous l'avez compris, ça date de la semaine dernière, il faut qu'on creuse un petit peu maintenant pour savoir pourquoi. Ce que j'ai commencé à faire, c'est voir s'il y avait des différences par éditeur. Donc là aussi, une facette qui peut être récupérée directement d'ISTEX. Donc là non plus, pas de conclusion trop hâtive, mais on voit malgré tout que sur ce corpus, il y a effectivement des éditeurs dont les abstracts semblent un peu plus généreux que les autres. Là, on ne sait pas pourquoi, il faut creuser, voir s'il y a des consignes. Des différentes revues de ces éditeurs qui favorisent des abstracts plus généreux. Donc c'est juste pour dire que très rapidement, avec une exploitation basique des résultats sortis par Liana, on voit qu'il faut se poser la question par éditeur et aller voir un petit peu plus loin sur les éditeurs. Et idem pour la question qu'on se posait au départ, est-ce qu'il y a des différences d'une discipline à l'autre ? Donc là aussi, il faut que j'explique quand même, malgré tout, que, comme je vous l'ai dit au début, on travaille sur un corpus de sciences environnementales, mais la caractérisation de ce corpus, elle se fait sur la base de la caractérisation de la revue, c'est-à-dire que la revue est rattachée à un ou plusieurs domaines. Donc moi j'ai extrait, je suis partie du corpus qualifié de sciences environnementales par ISTEX, enrichissement du WOS, et ensuite j'ai requalifié toutes les revues selon une autre nomenclature qui est la nomenclature utilisée par Elsevier. Donc vous allez me dire pourquoi je suis allée chercher ça alors qu'il y a des enrichissements dans ISTEX. Donc déjà parce que moi je fais de la bibliométrie un peu toute l'année, donc j'ai cette base-là qui est à disposition, que j'ai l'habitude d'utiliser. Ensuite la nomenclature Elsevier, elle est bien plus importante que la nomenclature du WOS, il y a bien plus de revues qui sont indexées dedans, donc pas un peu plus, un genre des milliers de plus. Et aussi cette nomenclature Elsevier, c'est-à-dire la liste des revues qualifiées selon cette nomenclature Elsevier, est très facile à obtenir, elle est gratuite, elle est en ligne, ce qui est assez surprenant de la part d'Elsevier, mais c'est quelque chose qu'on obtient très facilement, contrairement aux données du Web of Science, qui sont la liste des revues, par exemple, c'est un fichier, c'est trois fichiers PDF avec les ISSN dans un tableau, donc c'est compliqué à obtenir. Les éléments de métrique associés à ces revues ne sont pas directement livrés avec ce fichier. C'est compliqué d'obtenir les facteurs d'impact, alors qu'avec la nomenclature Elsevier, on a tout d'un coup. Donc c'est pour cette raison-là que j'ai recalculé ensuite des domaines.
Et donc, si on n'est pas uniquement dans le domaine sciences environnementales, c'est parce qu'une revue peut être attachée à un ou plusieurs domaines, d'où d'autres domaines analysables. Donc, à l'intérieur du corpus de sciences environnementales, il y a des revues qui sont aussi en social sciences, en psycho, en chemistry, etc. Donc, c'est pour dire qu'avec cette première analyse, vraiment très brute, on se rend compte que là aussi, il y a des différences entre les domaines et que ça vaut le coup de creuser. Donc, tout à l'heure aussi, m'est venue l'idée, peut-être en voyant Silex, de creuser par, de faire des analyses du taux de générosité par cluster. On peut imaginer une communauté et voir s'il y a des communautés qui sont plus généreuses que d'autres. Bon, c'est une façon très raccourcie de le dire, mais on peut imaginer fabriquer des corpus non pas disciplinaires, mais sur un cluster donné, et voir que, ce que ça donne sur le taux de générosité. Donc c'est pour dire qu'on ne répond pas complètement directement aujourd'hui à la question de est-ce qu'on peut s'affranchir de lire le full text si on a l'abstract, mais on a des pistes de travail par éditeur et par discipline qu'il nous faudra creuser. Sur la corrélation entre taux de générosité et nombre de citations, donc là aussi à partir des résultats fournis par Liana, je suis allée chercher les citations via l'API d'Elsevier. Donc évidemment là mon corpus se réduit encore puisque tout n'est pas tous les articles ne sont pas indexés par Elsevier. Donc j'ai bien les articles qui ont reçu zéro citation, mais en revanche je n'ai pas pris en compte les articles qui n'étaient pas indexés par Elsevier. Donc avec plus de 7700 articles, on a vraiment une mini corrélation. Je pense qu'elle n'est pas significative. On voit que les articles qui ont été cités plus de 140 fois ou plus de 180 fois ont un taux de générosité qui est un tout petit peu plus élevé, mais là il faut le vérifier avec d'autres données. Donc ce que je disais tout à l'heure, cette corrélation très forte entre l'open access et le taux de citation qui a été démontrée par plein d'études, on ne la retrouve pas entre la générosité et des abstracts et le nombre de citations. Donc quelques conclusions. Du point de vue d'informatique, on peut dire que la métrique qu'on a développée est interprétable, contrairement aux mesures d'informativité qui existent. Par exemple, les métriques qui sont très répandues dans le domaine des résumés automatiques, comme Rule, d'après les mesures proposées par l'Université d'Avignon INEX, ou Pyramid, qui était utilisée à Trek. Et notre mesure est un score absolu, contrairement aux mesures d'informativité existantes. Ça veut dire que les mesures existantes ne permettent pas de comparer les abstracts de différents textes. On peut comparer que les résumés du même texte. Du point de vue de l'exploitation du texte, on a perdu beaucoup de données et surtout il y avait beaucoup de données qui avaient zéro mot. On a traité les PDF. Parfois, l'outil Grobid n'est pas arrivé à retrouver soit l'abstract, soit un full text. Après, on a perdu quelques articles à cause de l'API parce qu'on est limité par le nombre. Avant c'était 5000 documents, maintenant c'est 10000 documents par requête. Et au bout du moment, il y a des requêtes qui renvoient zéro résultat, même si c'est supposé qu'il y a 10000 documents, 5000 documents. Il y a les statistiques qui sont parfois erronées sur Istex. Par exemple, le nombre de mots dans l'abstract de full text dans le PDF, il n'est pas forcément bon. Au tout début, on a voulu utiliser TUI, mais on n'est pas arrivé à le faire car le texte est en vrac dedans. Et il y a aussi les XML. Là, je posais la question sur la différence entre TUI et XML. Apparemment, XML vient des éditeurs et TUI, c'est ce que Istex a construit eux-mêmes. Et après, on a souvent les problèmes avec API.
les pertes de résultats, l'instabilité. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire l'évolution à la grande échelle, car l'évolution qu'on a fait elle est assez petite pour le moment. Après, on envisage d'intégrer notre mesure de générosité dans STEX et finir le développement des interfaces web et desktop. Et donc, en termes de perspective d'application, donc pour le professionnel de l'IST, on peut imaginer, après plusieurs analyses, avoir une meilleure connaissance de la littérature scientifique et des modalités de diffusion, donc qui sont un des secteurs d'études de départ. Progresser dans la méthodologie de recherche, avoir une meilleure stratégie économique et des choix d'abonnement, par exemple dans les établissements, si on parvient à démontrer que certaines revues de certains éditeurs ont des abstracts très riches, on pourrait imaginer s'affranchir du full texte et aller chercher le full texte que vraiment quand on en a besoin et ne pas prendre un abonnement. C'est une hypothèse de travail. Pour le chercheur, on pourrait imaginer avoir des clés pour la rédaction plus efficace d'un abstract. Et Liana a déjà travaillé aussi sur la génération automatique de résumés. Et donc pour les pays en voie de développement, c'est la même idée que une meilleure stratégie économique avec évidemment beaucoup plus de force puisqu'il y a une limite dans les moyens. Voilà, merci à vous de votre patience en cette fin de journée. Merci. Une question peut-être qui est saugrenue, mais est-ce que vous auriez pu faire cette étude-là sans ISTEX? Honnêtement. C'est une question super compliquée en fait. Disons qu'on n'aurait pas pu faire ce travail de recherche sans le financement ISTEX. Après, une fois qu'on a un corpus de PDF d'articles scientifiques, je ne sais pas d'où il peut venir. S'il peut venir d'ailleurs que ISTEX, on peut se le constituer, on peut farfouiller dans nos bases actuelles. Oui, on aurait pu faire ce travail. Donc il y a deux réponses. Alors, moi, ouais. J'avais maintenant, les problèmes techniques d'ISTEX, on les a eus, on les aurait peut-être eus avec un autre corpus provenant d'autre part, ou on les aurait peut-être pas eus. Au sujet des problèmes techniques fréquents, alors autant je concède des problèmes techniques récents, puisqu'on a fait face à la perte d'un disque dur et d'un file system il y a 15 jours qui est en phase de restauration, autant fréquents, on a quand même des taux de disponibilité des API qui dépassent les 99%. Donc je ne sais pas quand est-ce que vous avez fait ces déchargements. Alors si c'est ces 15 derniers jours, effectivement, je vais bien concéder qu'il y avait des problèmes. Si c'est avant, je suis plus, suspicieux par rapport à votre assertion. Le deuxième élément que je voulais apporter, c'est par rapport à la chute, effectivement, en 2001. Il se trouve qu'il y a 16 corpus dans ISTEX, dont un qui est Elsevier et qui comprend 6 millions de documents. Soit plus d'un tiers du corpus et il s'arrête en 2001. Donc j'aimerais savoir, vous avez travaillé sur le plein texte, mais à partir du PDF exclusivement? Oui. D'accord. Vous avez... C'est pas le TUI, c'est pas le fichier XML ou les extensions, les fichiers .txt. Exclusivement le PDF. Exclusivement le PDF, oui. D'accord. Et pourquoi vous avez fait ce choix alors que vous disposiez de documents full texte nativement ou restructurés? Il n'y a pas beaucoup de documents structurés. TUI, il n'est pas structuré. Full text, il n'est pas structuré en format TUI. Il y a les XML avec le chemin XML qui sont structurés, qui sont donnés par les éditeurs. Après, il faut faire le découpage en sections et on a fait le choix pour les outils qui existent déjà. On a utilisé Grobit qui était utilisé aussi pour enrichissement de ISTEX. Et en plus, on a réfléchi que notre outil sera plus exploitable pour les PDF, car pas tout le temps, partout, pas dans tous les corpus, on a les XML. Mais toutes les publications sont en PDF. Ils sont disponibles. Et, on peut imaginer les
publications open access, les publications dans HAL et dans les autres bibliothèques numériques. Et il y a toujours des PDF, mais pas forcément les TI et les XML très bien structurés. Donc ça, c'est peut-être un peu de ma faute, parce que j'ai tanné Liana et Nicolas d'entrée de jeu pour qu'on aboutisse à un outil que je puisse, on va dire un outil pour les nuls, que je puisse utiliser toute seule sans être dépendante d'un informaticien. Donc ça veut dire qu'il faut qu'à la sortie, donc là c'est ce à quoi va s'atteler Yana, c'est qu'elle me prépare un petit exécutable, on réfléchit, ou un petit module dans RapidMiner que j'ai l'habitude d'utiliser, enfin quelque chose pour que je devienne autonome, et moi je ne serai jamais autonome avec un corpus en XML ou encore pire, balisé en TEI. Je serai autonome, moi et peut-être les chercheurs pour qui je travaille ou d'autres personnes qui s'intéresseront à la question, je ne serai autonome qu'avec un corpus de PDF. Donc je ne voulais pas qu'elle monte un truc hyper compliqué, qu'elle soit la seule ou en fait que vous soyez les seuls à pouvoir utiliser et que moi je n'utiliserai jamais. Donc ça rejoint un peu les questions qu'on se posait tout à l'heure. Qui est le public cible? Qui est quelle est la communauté utilisatrice d'Istex? Moi, en débutant ce chantier d'usage, je pensais que je serais un peu la cible en tant que professionnelle de l'IST, et je me suis rendu compte qu'il y avait des barrières techniques que je n'arrivais pas du tout à surmonter, et pourtant, je me donne un petit peu de mal, je gratte un peu, j'essaie de comprendre les choses, je manipule les API, mais il y a par exemple un problème extrêmement basique pour moi, on en discute à chaque fois qu'on se voit avec Liana, c'est que quoi qu'on fasse, il faut télécharger des PDF. C'est-à-dire, il faut passer par cette étape de téléchargement. Et ça veut dire quoi pour un public un peu les nuls comme moi? Ça veut dire qu'il faut avoir un espace pour stocker ces PDF. Alors ma machine, ça va être vite limité. Le temps de téléchargement, je vais me faire jeter par la DSI de mon établissement. Enfin, il va y avoir plein de questions qui vont se poser. L'espace de stockage, et puis alors après, évidemment, le calcul sur ces PDF, sur un corpus de PDF. Alors là, tout de suite, c'est insurmontable pour moi toute seule. On réfléchit à des solutions pour que malgré tout, ce taux de générosité, je puisse le calculer sans Liana, toute seule, que n'importe qui puisse calculer un taux de générosité et non pas sur un PDF. Donc là, on a un démonstrateur, Liana ne vous l'a pas montré, mais je peux le faire sur un PDF, mais j'aimerais quand même pouvoir le faire au moins sur 100, sur 1000, quoi. On a un logiciel qui est capable de le faire, mais il a l'interface console et c'est pas très user-friendly pour le public. Et on est en train de développer une interface plus user-friendly, mais on est en train encore de réfléchir. Il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'effectivement, il n'y a pas d'outil user-friendly, comme vous dites, pour utiliser de l'XML tout court et de l'XML TEI aussi. Et ça, c'est un vrai problème du stockage des données en XML, ça c'est sûr. Mais après, quand vous passez directement dans le PDF, pour avoir, moi aussi, enfin comme beaucoup d'entre nous, joué à ça, on rencontre, alors peut-être moins en anglais, mais dans d'autres langues que l'anglais, beaucoup de problèmes d'encodage de caractères, et même en anglais, il y en a, parce qu'il y a un certain nombre d'espaces improbables, enfin bref. Donc, du coup, en choisissant le PDF, plutôt que de choisir, par exemple, le TXT, qui est quand même plus facile à utiliser que de l'XML, vous passez de l'effort, par exemple, d'océérisation, qui est fait dans le cadre d'Istec, et toutes sortes d'efforts comme ça. Donc, du coup, ça, par contre, je ne comprends pas. Autant je comprends pour l'XML, autant je ne comprends pas pour le non-choix du TXT. Pour non-choix du TXT, une question est simple, c'est le TXT à Istex, il n'est pas très bien structuré. Quand il y a deux colonnes, les deux colonnes sont souvent fusionnées. Après, il y a aussi ce que le numéro de page sont dedans le texte. Il y a beaucoup de problèmes avec les espaces, les tableaux, les figures. Il y a les abstracts qui sont parfois mélangés avec le faux texte. Ce qui est nommé TXT, c'est bien pour faire la recherche d'informations où la structure du texte n'est pas importante. Mais dès qu'on passe dans notre approche, la structure du texte, elle est
il est indispensable. Et elle n'est pas gardée, même les phrases, ils ne sont pas sauvegardées dans le format TXT. Les TI, c'est pareil, c'est exactement pareil dans les textes, parce que c'est le texte brut, c'est le même texte de TXT qui est dans le TI, mais il y a les XML qui sont vraiment très bons, mais ils ne sont pas issus d'enrichissement, ils sont donnés par les éditeurs. Et oui, on peut faire ça sur les XML. Et du coup, c'est juste que je dois modifier de tag dans le logiciel. On peut adopter pour les XML, ça sera très facile. Parce que non, elle n'a pas le droit de le faire. Je n'ai pas le droit de le faire. Même le TXT, je ne vois pas quand est-ce que moi, toute seule, je vais pouvoir constituer un corpus d'articles scientifiques en TXT. C'est pas une situation. Pour vous, c'est peut-être hyper simple, mais il faut bien comprendre que pour quelqu'un, un professionnel de l'IST ou un chercheur, c'est super compliqué. C'est limite pas surmontable. Je voudrais juste quand même préciser que l'outil Grobid est un excellent outil, mais il s'applique pas sur tous les documents. Attention, hein. Il y a pas mal de documents pour lesquels on ne peut pas extraire de texte. Oui, on a remarqué ça, c'est pour ça qu'on a perdu presque 100 000 documents. Parce que Grobid n'a pas pu extraire soit abstract, soit full text. C'est limité et on a démontré ça sur les graphiques. Et même dans le XML, on a remarqué beaucoup de documents pour lesquels l'abstract n'était pas repéré correctement. Et pas de bol, c'était aussi des documents pour lesquels l'abstract était hyper bien structuré, ce qui aurait pu être très bien pour nous, genre avec introduction, deux points, la phrase, et puis après methodology, deux points. Et là, souvent, c'est que la phrase qui est derrière introduction qui est prise pour l'abstract entier, et tout le reste des autres parties, bah, c'est zappé. Pour nous, ça passe dans le reste du full text. Et là, c'est doublement dommage, parce que ça nous aurait vraiment intéressé de travailler sur ces parties de l'abstract. Moi, ce qui m'intéresserait, ça serait de savoir comment vous avez utilisé Grobid. Est-ce que vous avez utilisé Grobid avec l'apprentissage par défaut pardon. Ou est-ce que vous avez fait un apprentissage? Et si vous avez fait un apprentissage, votre corpus m'intéresse. On a téléchargé Grobid sur le site avec les modèles et on a pris les modèles par défaut. Et on a utilisé API de Grobid parce qu'il est déjà intégré dans le logiciel en Java. Ça veut dire qu'on n'a pas j'ai remarqué par exemple que sur le site web, les XML qui sont sortis de Grobid, ils ne sont pas les mêmes que les XML que j'ai sur mon ordinateur. Mais maintenant, je ne sauvegarde pas les XML, je les traite directement. J'utilise juste programming interface pour utiliser Grobid. Oui, mais pour que Grobid fonctionne bien, il faut refaire un apprentissage. Ça ne suffit pas de l'appliquer comme ça. Oui. Les tests que nous, on a fait justement pour la structuration des PDF, on a beaucoup travaillé sur le réapprentissage, sinon Grobid n'a pas de bons résultats. Mais même on a regardé le découpage de sections de Grobid, souvent ça marche très bien, même sur les modèles par défaut. On n'a pas de moyens de faire l'annotation de corpus. Moi, j'avais une toute petite question technique. Vous avez utilisé le nombre de citations de Scopus. Comment vous l'avez récupéré? C'est facile? D'accord. Bah, il a fallu que je génère 4 clés puisque c'est limité. On a droit, je crois, à 5000 tokens par semaine. Enfin bon, voilà, toutes les limites d'Elsevier. Mais sur plusieurs jours, oui, j'ai pu compléter. Merci. Je voulais juste dire que par rapport à vos difficultés d'exploiter le texte plein structuré, c'est clairement un besoin qu'on connaît, entre guillemets, et ça justifie d'autant plus les travaux actuels qui sont réalisés par l'équipe de Pascal sur la structuration du plein texte a posteriori à partir du PDF, donc avec l'outil Grobid. Et parallèlement, c'est ce que disait Laurent tout à l'heure,
c'est le travail à partir des XML structurés livrés par les éditeurs pour les mettre dans le format commun TEI grâce au projet PubToTEI. Et donc ça, c'est des chantiers qui sont en cours, malheureusement un peu décalés dans le temps par rapport aux chantiers d'usage que vous avez réalisés, mais c'est clairement des besoins qui s'appliquent, enfin ça répond à vos besoins et pas seulement aux vôtres. Hein. Et ça confirme les priorités qu'on met sur ces sujets-là. Donc ça, je trouve intéressant que vous le disiez, mais on en a conscience et c'est un peu dommage finalement ce décalage temporaire. Temporel. Est-ce que je peux poser une question moi-même ou non? J'ai le droit de poser des questions. Pourquoi si on a les XML purs qui sont fournis par les éditeurs, pourquoi ce découpage il n'est pas intégré dans le TEI? Ça, c'est justement le travail réalisé par le projet PubToTEI, c'est-à-dire reprendre la structure de l'éditeur. Chaque éditeur a sa structure qui est hétérogène d'un éditeur à l'autre, et le faire converger vers une structure commune et unique, un format pivot finalement, dans le body du TEI. Et donc là, on aurait tous les éléments structurés de l'article qui se retrouveraient dans le TEI sous forme de balises XML, d'attributs XML, etc., respectant le standard TEI, respectant le schéma ODD qu'on est en train de mettre en place pour justement savoir qu'est-ce qu'on livrerait en sortie d'Istex. Et ça, ce travail-là, il est en cours, en fait. Donc, c'est ça l'objectif. Voilà. Et moi, j'avais une question. Alors, je ne sais pas, c'est un autre sujet. J'ai vu que vous utilisiez la catégorisation d'Elsevier. Et ma question, c'était, est-ce que c'est, ça couvre que Elsevier ou ça couvre tous les éditeurs? Ça couvre plus que Elsevier. Et bien plus que le... Alors c'est une demande que j'ai à vous faire, c'est est-ce que vous pouvez nous envoyer la catégorisation? Apparemment elle est sous licence Creative Commons ou non, des... Non, il n'y a pas de licence, elle est téléchargeable, elle est directement téléchargeable depuis plusieurs sites, il suffit de chercher la title list de Scopus. Est-ce que vous pensez que ça pourrait avoir un sens de les mettre sur, à côté des, par exemple, des catégories WOS pour avoir une facette sur les catégories Elsevier en plus des catégories WOS? Alors, moi, personnellement, oui, puisque c'est la nomenclature que je préfère utiliser. Et je la trouve très pratique. Et encore une fois, elle est... là, par exemple, aujourd'hui, ils ont mis à jour le SiteScore 2016. Et on l'a immédiatement. Il y a ce même fichier est mis à jour avec la simple colonne en plus SiteScore 2016. Donc SiteScore, c'est l'impact factor maison Elsevier. Donc c'est très, très facile à utiliser. C'est un fichier Excel. Et c'est très facile à utiliser dans le monde de la bibliométrie. C'est pour ça que moi je l'utilise. Ensuite, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est l'enrichissement du WOS. C'est un enrichissement l'enrichissement du WOS, c'est la nomenclature WOS et on cherche à rattacher chaque article à la nomenclature WOS, ou alors c'est on prend l'ISSN de la revue et on va chercher s'il y a la catégorie WOS correspondante. Si c'est ça, la nomenclature Elsevier, la actuellement, liste des c'est revues. Ça. C'est ce qu'a montré Pascal au début. Donc, c'est une stratégie d'appareillement. Donc on vient un à un, ISSM à ISSN. Avec la revue. Donc ça veut dire que revue. Si la revue elle n'est pas dans la liste WOS, il n'y a pas d'enrichissement. Elle n'y est pas. C'est-à-dire qu'on a une partie d'Istex qui n'est pas couverte par la catégorisation. C'est ce que je pensais. Je ne sais plus le nombre de documents. La liste des revues de cette liste Elsevier est bien, bien, bien plus importante que la liste du WOS. Et du coup, moi, ça me permet de couvrir un domaine. Beaucoup plus. Est-ce que vous avez une idée de la couverture par rapport à Istex, justement des catégories Elsevier? Par rapport à Istex, je ne sais pas, mais c'est facile à tester. Hein. Vous prenez tous les ISSN des revues et vous allez chercher dans la base. À mon avis, c'est sans commune mesure avec que fournit le WOS. Merci. Sur la consolidation, c'est une question que j'avais envie de poser ce matin. Donc, on va avoir un document en TEI avec tous les enrichissements, donc j'imagine l'intégrale de ce qu'on a en JSON. Et ce qui serait intéressant, même de manière intermédiaire, c'est qu'il y ait sur option la possibilité d'avoir le XML éditeur, même s'il n'est pas retransmis en TEI, ça peut être intéressant aussi. Il est déjà dans l'API. Non mais il n'est pas consolidé pour l'instant. Non, il est en ligne, mais pour le actuellement, pour le télécharger, il y a une procédure assez compliquée. Enfin, moi, j'ai une procédure assez compliquée où
j'extrais le JSON et puis à partir du JSON, je regarde tout ce qui est importé. Si vous faites un format globalisé, ce qui me paraîtrait extrêmement intéressant, ça serait bien d'y mettre aussi le XML tel quel, sur option éventuellement, mais qu'on ait un document XML avec toute l'information, ça simplifierait beaucoup le téléchargement. Combien de temps il vous faudra encore pour pouvoir tirer des conclusions? Disons que là, on a l'impression que le deuxième projet commence, c'est-à-dire travailler sur le corpus qui faisait partie de nos objectifs. Donc ça peut prendre plusieurs mois. Et puis l'évaluation de l'outil en lui-même, 2-3 mois aussi, puisqu'il faut quand même... On n'a pas fait une véritable évaluation de l'algo, de l'implémentation, et ça, c'est absolument nécessaire. Donc, je pense qu'il faut encore plusieurs mois de travail. Avez-vous des questions, des remarques? Une dernière question? Disons que nous, on a la chance d'être dans un pays qui peut encore se payer des abonnements. Peut-être pas pour très longtemps, on ne sait pas. Et il y a déjà des pays qui doivent faire des choix en termes d'abonnements, des choix bien plus drastiques que nous. Et donc, on pourrait imaginer que si on qualifie correctement la générosité des abstracts d'une revue, par exemple, ou d'un éditeur, on puisse guider ces choix. Et qu'un pays qui soit face à une décision à prendre, c'est-à-dire prendre un abonnement et pas l'autre, il puisse guider, puisse utiliser le taux de générosité pour dire ah ben là, on sait que dans cette revue, l'abstract est très généreux, donc on peut s'affranchir de lire le full texte et on prendra un autre abonnement. C'est évidemment, ça ne sera pas le seul critère de décision, j'imagine. Mais ça peut guider le choix, puisque parfois, nous, on doit faire des choix, déjà, dans les abonnements qu'on prend, et c'est extrêmement compliqué. Il y a plein de critères qui rentrent en ligne de compte sur l'usage, les besoins supposés, les statistiques qu'on a déjà. Le taux de générosité pourrait être un critère supplémentaire. Ou éventuellement, j'imagine, une solution à mi-chemin, c'est-à-dire, en fonction du taux de générosité, pouvoir sélectionner des articles et puis faire des achats à la pièce, à l'article. Si on a fait le choix de ne pas s'abonner, c'est qu'on fait le choix d'aller chercher voilà. Des articles. Mais ça va dépendre aussi beaucoup de la taille des chercheurs liés à l'institution en question dans un domaine particulier, souvent. De plein de critères. Ici, on sera juste un de plus. Sachant que l'open access, la mise en open access plus ou moins rapide, après embargo ou pas, ou directement en gold, fait déjà partie des choix et des critères qui sont pris en compte par les pays qui n'ont pas les moyens de se payer les abonnements, tous les abonnements que nous on peut se payer. J'ai même pu comprendre qu'il y avait des grands organismes français d'abonnement qui avaient décidé de désabonner d'un certain nombre de revues ou de séries de grands éditeurs. Pas qu'en France. En France. Pas qu'en France. Non, mais en France. Mais même les Américains, le MIT, tout ça, ils ont déjà fait des choix.